Ouais, allô? Ouais, salut, ça va, c'est moi. Bah, je t'appelais pour savoir si tu faisais un truc ce soir. Ah bah non, ce soir je vois Charlotte. C'est bon ça, mon gars. Bah du coup, on se voit demain et tu me raconteras là. J'ai ma mère qui va pas tarder à venir dîner donc. Ouais, qu'on fait comme ça. Ouais, je te fais des bises. Bon, vas-y, bisous. Allô? Allô? Vas-y, raconte, ça s'est passé comment? Bah écoute, je suis en on s'est fait le petit resto et puis bah on a fini chez elle quoi. Ouais, tu l'as fait chaud? Ouais, grave, mais c'était trop bien, mais un truc de fou quoi, j'ai jamais vécu ça quoi. Ouais, c'est moi. Bon alors, vas-y, raconte hier soir. Bah on a commencé par aller au resto. Après, bon, je t'avoue qu'il a fait 2-3 blagues à la con. Que j'ai pas relevé parce que je me suis dit non, tu te braques pas. Puis après, après le dîner, il a voulu que on aille chez moi. Je lui dis vas-y, viens, on y va quoi. Il est monté à la maison. Bah et alors? Comment te dire que c'était un peu la catastrophe? Je m'étais pas rendu compte que le mec était bourré. Il a commencé à se dessaper, il a mis 3 heures à enlever les boutons de sa chemise. Putain de chemise de merde. Il s'est cassé la gueule sur mon matelas. Non. Je me suis dit, allez, je vais rouler un pet, ça va détendre l'atmosphère. Le mec, il a fumé 3 lattes. Il fume pas, en fait, d'habitude. Donc, du coup, ça l'a encore plus foncé. Il a commencé à me rouler des grosses pelles. J'ai jamais vécu ça, c'était un truc de dingue. Il s'est mis à transpirer de ouf, il s'est jeté sur moi, il a commencé à faire des va-et-vient dégueulasses. Oh c'est bon, oh c'est bon. Il s'est auto-baisé le mec, j'étais un miroir en dessous de lui quoi. Genre le truc horrible. Et c'était l'alchimie parfaite, j'ai kiffé, elle a kiffé. Heureusement que ça a duré 5 minutes. Oh, je t'aime. C'était juste magnifique. Horrible, mais vraiment quoi. Et puis alors attends, je t'ai pas dit. Quoi? Il avait un micro-pénis. Ah. Eh, je suis trop heureux, je suis sur mon petit nuage, laisse tomber quoi. Il était dans le déni total quoi. Non mais sérieux, s'il y a aucune nana qui lui dit. Franchement, le mec, il croit qu'il assure tout. Et vous allez vous revoir ou quoi? Bah grâce, je vais la revoir, mais elle est hyper motivée pour qu'on se revoie, c'est sûr. Et il va vite comprendre que j'ai pas du tout envie de le revoir quoi. Je suis amoureux. Et toi, tu l'as revu? Abonne-toi!